Et bonjour à tous les amis, ici Réflexion sur The Elder Scrolls 5 Skyrim. Et nous revoici dans nos aventures avec Lydia, notre parfaite partenaire, destructrice du mal, et toi tu es tout nu, ça t'apprendra pour m'avoir attaqué. Bref, continuons cette magnifique aventure, je suis assez motivé, et malgré le fait qu'on n'en a pas tourné la semaine passée, nous revoici donc sur ce magnifique jeu. J'ai pas vu où il était, il est là. Meurs, Corus, meurs! Désolé, Lydia, ce n'est pas ma faute. Par contre, toi, tu vas éviter de t'approcher, crève à distance, tu serais gentil. Ah, c'est le coup de foudre, mon ami, hein! Oh putain, la blague de merde. Ok, j'avoue, c'est vraiment une blague de merde. Et toi, meurs par la foudre toute puissante. Allez, Lydia, déconne pas! Allez, on peut se faire du fric, bute-le! Et boum, finish, move, en mode coup de foot complet! Hop, récupérons gentiment ce que le Chorus nous propose, voilà. Et faisons un petit slash à temps, histoire de récupérer notre mana. Ça serait assez intelligent de ma part, n'est-ce pas? Bref, nous sommes donc repartis. Et apparemment, il n'y a plus trop de monstres, et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes encore dans l'Académie des Mages, enfin nous faisons les quêtes de l'Académie des Mages, et nous ne sommes pas dans l'Académie des Mages, n'est-ce pas? Nous sommes à Mzvult! D'accord, cette porte s'ouvre aussi facilement. Et je suppose qu'un petit Dwemer m'attend de l'autre côté, ça me semblerait tout à fait logique. Bah apparemment non, il y a absolument rien, bah écoutez, tant mieux, on va pas trop se plaindre, hein. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas de petits pièges qui m'attendent. Ah, un Dwemer! Foudre, Dwemer! Sois électrocuté! Apparemment, la foudre ne fait pas grand-chose au Dwemer. Allez, Lydia, explose-le! Boum! Ah, électrocuté! Bref, on va récupérer les trucs de Dwemer. On va encore faire un slash attente, car le mana, c'est important. En même temps, ça régène Lydia, vu que c'est la seule à bosser dans cette histoire. Magie. Je crois qu'il faut que je repasse au feu pour les Dwemer. Et s'il y a un Chorus, je passerai à la foudre rapidement. De toute façon, c'est pas trop dur, il suffit de rapidement changer de sort magique, et de toute façon, ça fait quand même une pause, donc de toute manière, hein. Ah, des Dwemer, j'ai bien fait de reprendre le feu. Brûle, Dwemer, brûle! Ah, tu n'aimes pas trop la puissance terrifiante du feu, hein? Allez, Lydia, laisse-moi ramasser ici. Récupérons encore notre mana, car on a que ça à foutre. Désolé, cet épisode va être un slash attente complet, mais bon, c'est comme ça qu'on fait pour récupérer notre mana. Ils avaient qu'à inventer un système un peu plus intéressant. Et toi, brûle, le Dwemer, brûle! Apparemment, le feu sur lui n'est pas plus intéressant que la glace. Par contre, Lydia, si tu pouvais éviter de te mettre devant, ça serait absolument génial. Voilà. Complètement carbonisé, ce foutu Dwemer. Ah, il y a un ennemi à proximité, donc nous ne pouvons pas faire notre slash à temps habituel. Trouvons-le et butons-le. Apparemment, il est ici. Brûle, petit Dwemer, brûle! Mais gaffe, Lydia, tu vas encore mourir de façon inattendue et inappropriée. D'ailleurs, ce serait pas mal que je fasse un sauvegardé au cas où je tue Lydia encore une fois. Nous, souvenez-vous que c'est déjà arrivé, Lydia était complètement morte, et on n'a absolument pas compris ce qui avait arrivé. Hop, nouvelle sauvegarde, parce que fuck it, ça prend de la place dans le disque dur, et moi j'adore prendre de la place dans le disque dur. Voilà, c'est tout. Alors, ici en bas, nous avons un Metal Dwemer et un laboratoire d'alchimie. Bah tiens, les laboratoires d'alchimie, par contre, c'est assez intéressant. Voyons voir si nous pouvons faire quelque chose avec cela. La création de la potion a échoué. Et ben voilà. Ça, c'est fait. Voilà, j'ai pu faire deux jolies petites potions. Ça permet de monter un petit peu l'alchimie. C'est toujours très intéressant.
Ok, cette porte-ci, il faut la crocheter. C'est pas ici, c'est plus vers là-bas. Ok, nous y sommes pas encore. Bon, le crochet est cassé, mais bon, qu'est-ce que vous y voulez? Ça doit être à peu près ici. On va trouver. Voilà, c'est parfait. Crochetage, augmentation. Et ceci nous donne un petit coffre avec un cache de peau et 5 d'or. Ce crochetage n'aura pas été très intéressant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les crochetages peuvent pas toujours rapporter des choses intéressantes. Là, il y a des trucs d'Wemmer, ça peut toujours apporter de l'argent. Voilà! Parce que faisons notre impasse jusqu'au bout, hein, fuck it. De toute façon, c'est Lydia qui porte tout notre argent. D'ailleurs, il faudra peut-être que je pense un jour à aller vendre, ça serait génial. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose par ici? Apparemment, il n'y a rien du tout. Bon! S'il y a un Dwemer là. Ah merde, non! Oh, le piège de fourbe! Et je me retrouve face à un Dwemer tout seul, du coup. Brûle, le Dwemer, brûle! En même temps, ça monte ma destruction. Et ça, c'est super intéressant. Mon dieu, j'ai les trois en même temps sur ma gueule. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et Lydia, où est-ce que tu es quand on a besoin de toi, bordel? Ah bah, elle est là, elle tire à distance, d'accord. Brûlez, Dwemer, brûlez! Et là, je vais compter entièrement sur mon amie Lydia. Parce que Lydia, tu seras la plus puissante dans cette histoire. Je rappelle que dans ce jeu, les guerriers sont forcément meilleurs, et comme Lydia est ma guerrière, et bah forcément... Voilà! Nous avons pété les trois d'un coup. J'ai eu un petit souci de mana, mais bon, ce sera réglé un jour quand je monterai un peu de niveau. Je sais que le souci de mana, il se règle assez facilement. Il suffit de monter mon mana, mon mana, mon mana. Et ensuite, il n'y aura plus vraiment de souci de mana. Lydia est toujours en vie, d'accord, c'est parfait. Eh ben, continuons à passer. Ce coup-ci, essayons de ne pas nous faire piéger. Ça serait assez intéressant. Ok, encore une fois, je me fais choper. Mais cette fois-ci, un bug m'a sauvé la vie. Eh ben, merci le bug, hein, t'es super sympathique. Tu m'évites de retomber encore une fois de façon assez débile et stupide. Allez, du coup, passons par ici et voyons voir ce qu'on nous propose par là, justement. Et c'est parti, un coffre, c'est génial, et on voit qu'il y a nos amis les Falmer qui sont présents. Voilà, récupérons quand même les ingrédients d'alchimie, ça pourrait toujours être assez intéressant. Et apparemment, il faut que je passe par ici. Par contre, les Falmer morts, ça fait quand même un petit peu peur. Que s'est-il passé ici, bordel de chiottes? Hop, on prend la ferraille, ça peut toujours servir. Il me semble que ça se vend assez cher. Et passons dans la brasserie d'Emsvult. La brasserie, c'est toujours ce qu'il y a de plus génial. Hop là, avec un magnifique niveau 6. Temps de chargement assez incroyable. Assez long aussi, enfin en même temps, Skyrim sur console, les temps de chargement ont toujours été très longs. Continuons un petit peu à dégommer nos amis. Oh, un Falmer, brûlons-le! Brûle, Falmer, brûle! Oh, Lydia, qu'est-ce que tu fous? Bute-le, bordel! Ah, mais fais gaffe, je vais pas te cramer aussi, ça serait un peu stupide, mon ami. Alors, sphère gardienne. Hop, il nous loote plein de trucs. Le Falmer, il est où? Bordel, il est où ce foutu Falmer? Allumons le feu, il est là. Non, il est pas là. Mais elle a tué le Falmer et il a disparu. Ok, bah écoutez, il a disparu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sache attendre. On va pas chercher pendant 10 000 ans non plus, hein. Hop, avec le matériel, ça fait toujours plaisir. Et ici... Ah bah apparemment, il est là. Vous transportez trop de choses pour pouvoir courir. Bah écoute, viens ici, Lydia. Hop, faisons un échange avec Lydia et donnons-lui ce qui prend beaucoup trop de place. Alors, le bouclier... Non, ça, c'est ce que Lydia a, donc ça serait un peu stupide. Qu'est-ce que l'on peut lui donner? Alors, tiens, prends ça, puis prends ça, et puis prends cette épée aussi. Ok, on peut pas lui donner l'épée. Bon! C'est qu'elle doit avoir atteint son maximum, elle aussi. On va pas trop chercher, hein. Par contre, ça, c'est vraiment embêtant, alors. Les potions, c'est 0,5, ok.
Qu'est-ce que je peux lui donner de plus? Apparemment, elle a atteint son maximum. Donc on va jeter l'épée Falmer, épée Falmer qui sert absolument à rien. En plus, elle a pas d'enchantement, donc je ne pourrais même pas la... Je ne pourrais même pas la désenchanter, donc elle a vraiment aucune utilité, donc pour dire à quel point elle est inintéressante. Pour changer de mot de temps en temps. Bref, montons là-haut. Il me semble que c'est bien là-haut, je suis pas sûr. Ah, Falmer, brûle, Falmer! Allez, Lydia, explose-le! Je ne veux plus voir de Falmer dans mon sillon! Mais va pas devant moi! T'as pas vu que je crachais du feu! Finish, move! Voilà, ça c'est fait. Au revoir, mon ami le Falmer. Nous étions très heureux de te connaître. Ou pas, mais bon. On va dire, hein. Faisons un petit slash attendre comme ça, absolument gratuit. Et passons par ici. Qu'est-ce qu'on a à nous proposer? Alors, des lingots de Metal Dwemer. Voilà, ça peut toujours être intéressant, n'est-ce pas? Et continuons à avancer. Peut-être que nous trouverons encore d'autres ennemis. Bah, encore un Falmer, écoutez. Ah, ils sont deux cette fois-ci. Dont un Falmer mage. Qui me ralentit. C'est très embêtant tout ça. Mais c'est bon car je les ai brûlés tous les deux en même temps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à me proposer? Encore des oreilles de Falmer, ça peut toujours être extrêmement intéressant. Il me semble que ça sert dans l'alchimie. Donc ça peut toujours être utile. Même si je me sers d'aucune des potions de l'alchimie, mais c'est pas grave, on va dire que voilà. Fuck it, hein, ça sert quand même. Hop, ici on arrive dans des grottes, alors là ça me fait un petit peu peur, il fait un peu tout noir. C'est assez embêtant. Surtout que YouTube va assombrir le truc et donc vous ne verrez absolument rien. Meurs le Chorus. Ah bah non, finalement le feu est beaucoup plus efficace sur le Chorus aussi. En fait la foudre c'est vraiment inutile comme truc. Voilà, il est mort notre ami. Enfin je crois. Par contre j'aimerais bien voir où est son cadavre. Son cadavre a aussi disparu. Bah écoutez, c'est les aléas des bugs de Skyrim, on va pas trop chercher. Et qu'est-ce qu'on a à me proposer par ici? Absolument. Ah si, il y a une porte là, je l'avais pas vue. Bah tiens, prenons-la. Et un Falmer ici. Un Falmer et un Chorus. Ça par contre c'est assez problématique. Et bah brûlez tous les deux. Cela dit, vu que j'ai Lydia... Oh mon dieu, ma vie! Oh merde, je suis mort. Fail. Mais ils m'ont one-shot les trucs. Wouah! Ils m'ont littéralement explosé. Le roi de bord de ciel a récemment été utilisé par Ulfric Sombrage. Non, été tué, utilisé. Oh mon dieu, qu'est-ce que je lis? C'est n'importe quoi! Ah bah apparemment on recommence ici, c'est parfait, sauf que ce coup-ci je vais mettre le slash attendre. Hein. Ah, je peux pas mettre le slash attendre, c'est génial! Apparemment les ennemis sont beaucoup trop près. Ousroda! Allez, toi crève! Oh mon dieu, mais ce qu'ils me foutent dans la tronche, mais c'est aberrant. Qu'est-ce que je peux augmenter? Le feu, ça me demandera un point supplémentaire. Ok, c'est pas grave, le niveau était très bien placé. Mourez! Alors, guérison, non c'est pas ça, c'est par là et on va mettre les soins. Vite, soigne-toi mon ami. Allez Lydia, vas-y, explose-les, je compte absolument sur toi. Oh mais mon dieu, mais comment ils me font super mal. Apparemment Lydia est vraiment occupée de les exploser, c'est génial. Par contre moi je vois absolument rien et ça par contre ça me dérange. Hop, on va se remettre en feu. Brûle le Chorus, brûle. Elle est où Lydia là? Elle est morte? Brûle le Chorus, brûle. Et merde, je suis encore mort. Oh mon dieu, ce passage va être absolument chiant et phénique à mon avis. Oh, ce magnifique petit gadget est juste... incroyable. Il est bien réalisé, là, avec tous les petits anneaux qui font des petits piercings.
Allez, ce coup-ci, je sais mettre le slash attendre. C'est super important parce que démarrer un combat avec la moitié de mana, forcément, c'est compliqué. Ça serait bien que j'en aggro deux comme ça à distance, voilà. Meurs le Falmer, meurs! Bon, déjà, on s'est occupé du Falmer, ça c'est déjà une bonne idée. Maintenant, occupons-nous des Chorus. What? Mais il m'a one-shot! Eh, j'avais 75% de ma vie, et je me suis fait one-shot! What the fuck? Ah d'accord, si on se met là, les ennemis sont trop près. Bah bon, si on se met là, on peut régène. Voilà. Lydia, ça serait assez intéressant si tu pourrais servir à quelque chose. Merci. Et toi, crève, le Falmer. Brûle littéralement. Ça serait génial de lui faire des dégâts, par contre. Par contre, j'ai du mal voir, mais je crois que Lydia est morte. Est-ce que j'ai des potions de soins? Non, j'en ai pas. Bon, bah, écoutez. Vu que Lydia est morte, de toute façon, hein. C'est assez embêtant, je crois que c'est moi qui l'ai achevé, en plus. C'est n'importe quoi, ce niveau est monstrueux. Et je crois que je vais en arrêter là avant de rager, c'est pas grave, ce sera un épisode plus court que d'habitude. Les amis, c'était Réflexion sur Skyrim. Ciao. Bye bye.